récemment promu INBA France président par le président mondial Mr. Danny Kekos, qui est responsable et fondateur de cette grande association de bodybuilding naturel. J'ai donc décidé de mettre en place une association, la NCA, qui va promouvoir le bodybuilding naturel, mais pas seulement. Je parle de bodybuilding culturel, c'est-à-dire que le bodybuilding a une existence au travers des siècles, au travers des époques, au travers des arts également. On le voit dans les statues de Michel-Ange notamment. Donc j'aimerais donner une consistance culturelle au bodybuilding naturel, c'est-à-dire à la construction du corps par sa propre volonté et par sa propre rigueur, pour bien montrer qu'un homme n'est pas seulement une masse de chair, il y a une dimension supérieure, une dimension poétique, une dimension spirituelle, une dimension intelligente qui va lui permettre d'avoir un point A et d'aboutir à une construction physique selon ses aspirations. Donc j'ai créé dans ce thème principal, j'ai créé la NCA, donc la naturelle, culturelle et artistique, l'association de développement durable, naturelle, culturelle et artistique, dans lesquelles les poètes, les sportifs, tous les sportifs, toutes les personnes qui ont quelque chose donc, de différent à proposer, peuvent venir le faire au sein de l'association en toute liberté pour essayer d'ouvrir des nouvelles portes au sein même de la culture française et notamment par justement le côté esthétique, tant dans la photographie que la poésie, que dans le bodybuilding, que dans les arts martiaux, qui est un symbole de liberté, une aide pour la fraternité et aussi une façon d'exprimer son égalité à travers la différence, c'est-à-dire à travers les différents points de vue, comme je vous ai expliqué, on peut retrouver cette fameuse lumière qui est au centre de la cour. On ne peut pas réellement la connaître si on n'a pas non plus les points de vue des autres maisons qui sont en train de se construire tout autour, qui ont sans doute un point de vue différent sur la même chose, qui permet d'améliorer son propre point de vue et donc son propre bien-être, son propre confort quotidien, et ainsi de rendre sa vie plus expressive et de s'approcher plus facilement du bonheur commun et de son propre bonheur. Donc cette association a cet objectif-là, développer et épanouir tous les gens qui ont quelque chose de différent à proposer, comme par exemple le bodybuilding naturel est quelque chose effectivement de différent, pas de nouveau, mais de différent à proposer aujourd'hui au sein même de la culture de l'être humain et pour la santé et pour son développement.